On commence. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 25 dans l'explication de شرح الأربعين النووية. شرح الأربعين النووية c'est de l'imam النووي et le شرح c'est de الشيخ صالح الفوزان. On est arrivé au hadith numéro 15, al hadith al khamis ashar. Et dans le livre ici, il y a une faute dans le hadith. Ils ont oublié une phrase. Tu as le hadith avec toi? Barakallahu fik. C'est ça. Donc le hadith numéro 15, an Abi Huraira radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Parce que dans l'édition ici dans le livre ils ont oublié la phrase où le prophète صلى الله عليه وسلم il dit ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. Ils ont oublié cette partie là. Ils ont sauté cette partie là malheureusement. Bon, qu'est-ce que ça signifie ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit selon Abu Huraira, Al-Bukhari et Muslim ont rapporté selon Abu Huraira que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. Et celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. Ça c'est le hadith tel que je l'ai lu. Donc comme je disais, dans la version qui est dans le livre qu'on est en train de lire, ils ont omis une des phrases du hadith, celle qui parle du voisin. Malgré tout, le cheikh il le mentionne dans le charh. Donc dans le texte il ne l'a pas mentionné, mais dans le charh il est mentionné. Donc le cheikh Al-Fawzan il dit au sujet de ce hadith-là, qui est un hadith très important, qui nous explique le comportement d'un musulman et le lien de ce comportement-là avec la foi. Le cheikh il dit « هذا الحديث فيه بيان بعض خصال الإيمان لأن الإيمان له خصال وله شعب كثيرة وكل أعمال الخير وكل الطاعات والقربات كلها من الإيمان لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح فالأعمال سواء كانت من أعمال القلوب كالخوف والخشية والرهبة أو من أعمال الجوارح كالصلاة والصيام والحج والصدقة وغير ذلك كلها من حقيقة الإيمان داخلة فيه وفي هذا الحديث بيان شيء منها. Le cheikh explique que dans ce hadith il y a l'explication de certaines des caractéristiques de la foi. Parce que la foi elle a des caractéristiques, elle a différentes branches, comme c'est mentionné dans différents hadiths. Et chaque action qu'on fait, parmi les bonnes actions, toutes les obéissances qu'on fait et tous les actes qu'on fait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles font toutes partie de la foi. Elles sont toutes des choses qui composent la foi.
Pourquoi? Parce que la foi, elle est composée de trois choses. C'est une parole qui est dite avec la langue, c'est une croyance qui est dans le cœur, et ce sont des actions qui sont faites avec le corps. Donc les actions, peu importe que ce soit des actions du cœur, comme par exemple la peur, la crainte, l'aspiration, la crainte, la peur et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces actions-là sont des actions du cœur, et ça fait partie des adorations, ça fait partie de la foi. De même qu'il y a les actions du corps, comme par exemple la salat, le jeûne, le hajj, le sadaqa, ça c'est des actes du corps. Et il y a également des paroles avec la langue, comme le fait de dire la ilaha illallah, de lire le Coran, ou des choses de ce genre. Donc tout ça, ça fait partie de la foi, et ça rentre dans la foi. Et qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith ici? Eh bien, c'est quelques éléments qui composent aussi la foi. Le cheikh il dit, « Qawluhu, sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, al-aslu huwa al-iman billah, azza wa jal, wal yawm al-akhir, al-lazhi huwa al-ba'th wal-nushur, yawm al-qiyamah, لأن من آمن بالبعث فإنه يستعد له، ومجرد الإيمان بالبعث دون الاستعداد له لا يفيد شيئا، بل لا بد أن يستعد العبد للبعث، فيكثر من الحسنات ويتوب عن السيئات قبل أن يموت ويبعث. الشيخ explique que le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم il dit dans ce hadith: quiconque croit en Allah ou celui qui croit en Allah et au jour dernier. Il dit la base c'est la foi en Allah, et puis de croire au jour dernier, ça aussi c'est parmi les éléments de la foi. Et il dit que c'est de croire en la résurrection et au rassemblement au jour de la résurrection quand les gens vont être ressuscités. Pourquoi? Parce que le cheikh dit celui qui croit en la résurrection, le fait qu'on va être ressuscité, qu'on va sortir de la terre et qu'on va être jugé, c'est quelque chose dans lequel on doit croire dans le but de se préparer à ce jour-là. Le cheikh il dit juste de dire je crois au jour de la résurrection, c'est pas suffisant. Il faut y croire et il faut s'y préparer par des actions, par des actes d'adoration. Ok? Et donc il faut faire plus de hasanat, plus de bonnes œuvres et également se repentir des péchés qu'on a fait avant la mort, avant la résurrection. Ça c'est le but de la foi en al-yawm al-akhir. Wa hadha wajh dhikr al-iman bil-yawm al-akhir ma' al-iman billahi 'azza wa jalla. Wa illa fa arkan al-iman sitta kama huwa ma'lum. Akhiruha al-iman bil-ba'th, walakinahu dhakarahu ma' al-iman billahi ta'kidan lahu, li'anna al-insan idha amana annahu sayub'ath wa yuhasab wa yujaza fa innahu yahtam wa yasta'id ويقيم بقية أركان الإسلام وغيرها من الواجبات ويجتنب المحرمات. Donc le cheikh explique, il dit que c'est pour cette raison-là qu'on mentionne la foi en le jour dernier avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, les piliers de la foi sont de 6, comme on le connaît, comme on le sait. Et le dernier d'entre ces piliers-là, c'est avant la foi en le qadar, c'est la foi en le jour dernier. Mais ici, il est mentionné avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi le jour dernier est mentionné avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala pour confirmer la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsque quelqu'un, il croit qu'il va être ressuscité, qu'il va être jugé, qu'il va être rétribué ou récompensé, alors il va donner une importance à ça et il va se préparer. Et il va établir tous les autres piliers de l'islam et toutes les autres obligations. Et il va s'écarter de toutes les choses interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est pour nous expliquer en fait la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets et également dans ce hadith, on mentionne la foi en Allah et tout de suite la foi en le jour dernier ensemble. Parce que c'est un des piliers de la foi mais il est très important. قال فليقل خيرا أو ليسمت فإن من الإيمان بالله واليوم الآخر والاستعداد له أن يقول العبد خيرا أو يصمت فقد خلق الله سبحانه هذا اللسان في هذا الإنسان
وعلمه النطق والبيان نعمة منه سبحانه وتعالى ولم يجعله من الجوامد التي لا تنطق ولا من البهائم أو من الصم البكم المعطلين عن الكلام بل من الله عليه بهذا النطق وهذا اللسان. الشيخ يقول que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par la suite il nous dit qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Il dise du bien ou qu'il se taise. C'est-à-dire que parmi les choses qui font partie de la foi en Allah et au jour dernier et de la préparation pour ce jour-là, il y a le fait que le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala dise du bien ou bien qu'il se taise. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette langue en cet être humain-là, il lui a enseigné la parole et l'explication et l'expression. Et ça, c'est une des grâces que Allah subhanahu wa ta'ala lui a faites. Et il ne l'a pas fait comme les objets inertes qui ne parlent pas, comme les roches, la terre et les autres trucs qui ne parlent pas, les plantes ou les arbres, hein, ou bien comme les animaux qui font des sons et des bruits mais qui ne peuvent pas s'exprimer, hein, comme les êtres humains, ou bien comme les gens qui sont muets, qui ne sont pas capables de parler. Allah subhanahu wa ta'ala, non, donc il nous a fait cette grâce et cette faveur de nous donner la parole et cette langue pour pouvoir s'exprimer. وهذا اللسان سلاح ذو حدين إن استعملته في الخير جنى لك خيرا وأثمر لك خيرا وإن استعملته في الشر جنى عليك شرا وإثما وذلك بحسب ما تنطق به لأهمية الكلام وكل الله سبحانه وتعالى ملكين عن يمين الإنسان وعن شماله ملازمين له يكتبان ما يقول قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يكتبان ما يتلفظ به سواء كان طاعة أو معصية أو حتى المباح فالآية عامة تشمل جميع ما يلفظ به العبد فهذا الكلام الذي يصدر منك يكتب ويحصى عليك فإن كان خيرا أثمر لك خيرا وبرا وإن كان شرا أثمر لك شرا وعقوبة فأخطر ما في الإنسان هو لسانه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. Donc le chef il explique que cette langue que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée et qui fait partie de sa grâce, eh bien c'est comme une épée à double tranchant. Hein, elle est très dangereuse. Et donc si tu l'utilises dans le bien, alors alhamdoulilah elle va t'amener du bien et elle va produire des bons fruits, tandis que si tu l'utilises pour le mal, eh bien ce sera un mal pour toi et elle va accumuler pour toi des péchés. Et ça c'est selon ce que tu dis, selon ce que tu prononces ou selon ce que tu dis avec ta langue. Et étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous montrer l'importance de la parole et à quel point c'est sérieux, la parole, il a assigné à chacun d'entre nous deux anges qui écrivent ce qu'on dit, un à droite et un à gauche. Et ces deux anges-là sont chargés d'écrire tout ce qu'on prononce et tout ce qui sort de notre bouche. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans surat Taf, « Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid » Il n'y a rien qui est prononcé comme parole par un être humain, excepté qu'il y a un scribe qui écrit, qui est attentif et qui écrit tout ce que tu prononces. Donc ces deux anges-là, ils écrivent tout ce que tu dis, et peu importe que ce soit quelque chose d'obéissance à Allah ou de désobéissance à Allah, et même les choses ordinaires que tu dis dans la vie de tous les jours, les choses qui n'ont rien à voir avec le bien ou le mal, les choses ordinaires que tu peux dire, ils écrivent tout. Ils écrivent tout, sans exception. Ça, c'est général dans le verset. Ça dit que tout ce que tu prononces. Donc ça implique tout. Hein. Donc tout ce que tu dis est calculé, est compté, hein, et tu vas être questionné pour tout ce qui sort de ta bouche. Donc si c'est du bien, tu vas avoir en récompense du bien. Et si c'est du mal, eh bien dans ce cas-là, tu vas avoir du mal en récompense et un châtiment, une punition pour ça. Donc,
la chose la plus dangereuse qu'il y a en l'être humain, c'est sa langue. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Mu'adh ibn Jabal lui a posé la question, est-ce que on va être jeté dans l'enfer sur notre visage, pardon, il dit, est-ce qu'on va être allé en enfer, est-ce qu'on va être questionné ou pris pour compte pour qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu et dit, est-ce qu'il y a une autre raison que la langue qui va faire que des gens vont être jetés, visage le premier, ou bien le nez en premier dans l'enfer, vont jeter dans l'enfer sur leur visage ou sur leur nez? Donc, c'est pour dire que la langue, lorsqu'elle commence à dire n'importe quoi, eh bien, yani dans ce cas-là, ça veut dire que elle peut l'amener même en enfer, cette langue. Donc, il faut faire attention. Et un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui peut me garantir ce qu'il a entre ses deux mâchoires et ce qu'il a entre ses deux jambes, je lui garantis le paradis. Je lui garantis le paradis. Donc ça, c'est-à-dire la langue et ses parties génitales, s'il les préserve, s'il se retient de les utiliser pour faire du haram, eh bien, il sera au paradis, inshallah. Donc ça, c'est des exemples. Et puis, il y a des hadiths aussi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des gens qui vont dire une parole, hein, et c'est une parole qui amène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne lui donnent aucune importance. Et à cause de cette parole qu'il a dit, il sera jeté dans l'enfer, hein, et tandis qu'une autre personne, il prononce une parole de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans lui donner aucune importance, et à cause de cette parole, il sera élevé dans les plus hauts degrés du paradis. Donc c'est pour dire que une parole que tu dis, même si tu penses qu'elle est insignifiante, elle peut avoir des répercussions très très dangereuses, très très sérieuses, et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à qu'est-ce que tu dis. Le shaykh dit, « قال فليقل خيرا والله جل وعلا يقول وقولوا قولا سديدا والكلام الخير مثل التسبيح والكلام الخير مثل التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع والإصلاح بين الناس كل كلام في رضا الله جل وعلا فإنه خير. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والكلام لا يكلف كثيرا فهو ليس مثل الصلاة ولا الصيام ولا الجهاد فتستطيع أن تقول خيرا وأنت جالس أو مضطجع أو راكب أو ماش فالبدن يتعب من الطاعة ولكن اللسان لا يتعب من الكلام فاشغله بما يفيدك. لشيخ الزي donc dis du bien ou bien tais-toi. Hein, si tu es un croyant à Allah et au jour dernier, alors dis du bien. Et il dit que dire du bien, comme Allah dit dans le verset 70 dans Surat Al-Ahzab, وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dites une parole droite, une parole de droiteur. La parole de bien, c'est quoi? C'est comme le tasbih, quand tu dis Subhanallah, ou le tahlil, quand tu dis La ilaha illallah, ou le takbir, quand tu dis Allahu Akbar, ou de réciter le Coran, ou de faire des rappels, le zikr, ou bien d'ordonner le bien, ou bien d'interdire le mal, ou bien d'enseigner aux gens la science bénéfique, ou bien de réconcilier entre deux personnes. Hein, tout ça, c'est des bonnes paroles, des choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Donc, c'est des choses de bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 114, dans Surat al-Nisa, il n'y a pas de bien dans la plupart de leurs paroles secrètes. Dans leurs paroles, quand ils se disent entre eux, an-najwa. An-najwa, c'est quand les gens, ils discutent à voix basse entre eux. Hein. Donc, il n'y a pas de bien dans la plupart de leurs paroles, excepté pour celui qui ordonne de faire une aumône, quelqu'un qui ordonne de donner en charité, ou bien un bien quelconque, ou bien qui essaie de réconcilier entre deux personnes. Hein. Donc, ça, c'est des exemples de bien qu'on peut faire. Et celui qui fait cela en cherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah va lui donner une très grande, une énorme récompense pour ça. Donc ça c'est le verset 114 dans Surat al-Nisa. Et
Le chef il dit ensuite que la parole, elle ne demande pas beaucoup d'efforts. Hein. Ce n'est pas très difficile de parler. Ce n'est pas comme les autres adorations qu'Allah nous ordonne de faire. Par exemple, la prière, la salat, ou bien le jeûne, ou bien le djihad. Ça, c'est des adorations qui demandent beaucoup d'efforts, beaucoup de fatigue, hein, beaucoup de difficultés parfois. Tandis que l'adoration de, que tu fais avec ta langue, c'est facile. Hein, tu peux être assis, tu peux être couché, tu peux être en voiture, en train de marcher. Et tu peux, ton corps il se fatigue à faire des adorations et des obéissances, mais ta langue elle ne se fatigue pas. Donc, tu peux parler, parler, parler et tu ne te fatigues jamais. Donc, occupe-la par qu'est-ce qui est bénéfique, par qu'est-ce qui est bien. Hein? Tu remarques que cette langue-là est toujours en train de bouger. Donc, utilise-la, fais-la bouger pour le bien et non pas pour le mal. قوله صلى الله عليه وسلم أو ليصمت أو ليصمت يعني j'ai appris un nouveau mot cette semaine dans le dictionnaire la logomachie. Logomachie c'est les des gens qui font des disputes pour n'importe quelle petite futilité et la logorée. Hein, c'est les gens qui ont un flux de paroles, qui parlent beaucoup, 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 hein, et qui disent n'importe quoi. Donc c'est ça la logorée, donc c'est des choses, des fois il faut faire attention. Des fois on a un problème, on parle trop, donc il faut des fois contrôler sa langue. Le cheikh il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam أو ليصمت إذا لم يقل خيرا فإنه يصمت من أجل أن يسلم فإذا سكت سلم وإذا نطق فإن كان خيرا غنم وإن كان شرا هلك فأكثر ما يصدر من الإنسان خصوصا مع الغفلة وضعف الإيمان كلام سيء أو من فضول الكلام لا فائدة فيه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال فإن الله كره للمسلم أن يشتغل بقيل كذا وقال فلان كذا ليحصي أقوال الناس وعليكم السلام ورحمة الله ليحصي أقوال الناس وينشغل بها والكلام الشر مثل الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور وشهادة الزور وأعظم ذلك الشرك بالله وإن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو غير ذلك من الكلام المحرم كل ذلك يحصيه الله على العبد ويكتب في ديوانه ويحاسب عنه يوم القيامة فعلى المسلم أن يكف لسانه عما لا فائدة فيه ولا حاجة إليه ليستريح ويريح. Le cheikh explique que si tu ne dis pas du bien, tu dois te taire. Hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ou bien tu te tais. Hein, tu dis du bien ou tu te tais. Si tu ne dis pas du bien, alors tu te tais dans le but d'être sain et sauf. Hein, dans le but de te sauver et d'être épargné. Des fois tu dis, ah, j'ai dit une parole de trop. Hein, ça arrive, des fois tu parles, tu parles, tu parles, d'un coup tu dis une parole de trop. Hein, des fois, il suffit d'un seul mot, d'une seule parole, et puis tu dis, si je pouvais rattraper cette parole-là pour l'empêcher de sortir, hein, t'aurais préféré ça, mais malheureusement la parole est sortie, maintenant qu'elle est sortie, c'est trop tard. Hein. Des fois, une parole de trop, tu dépasses la limite, ça y est, tu t'es mis dans des embarras, tu t'es mis dans des problèmes, à cause d'une seule parole. Donc, des fois, retenez sa langue dans ces moments-là. Surtout des fois, quand tu parles avec ta femme, si tu as des discussions avec elle, de pas s'emporter, de pas dire n'importe quoi, parce que la femme, Allah al-Musta'an, elle a une mémoire pour les petits détails, n'importe quel petit détail que tu vas dire, elle va te le ramener un jour où elle en aura besoin. Et puis, elle va savoir comment te demander des comptes sur ce mot-là. Donc, vraiment, faut faire attention quand tu parles, et en particulier lorsque tu parles avec ta femme, calcule tes mots. Même si tu es en colère, franchement, même si tu es en colère,
calcule chaque mot que tu dis et ne laisse pas ta colère te faire dépasser la limite parce que tu vas le regretter un jour ou l'autre. Et ça c'est des exemples. Et donc le cheikh il dit, yani, tu gardes ta langue, tu ne dis pas du mal, tu dis que du bien, et comme ça t'es sauvé, tu te sauves toi-même. Et si tu as parlé et tu as dit du bien, tu vas retirer de ça beaucoup de bien. Tandis que si tu as dit du mal, tu vas avoir des problèmes, tu risques de périr à cause de ça. Et le cheikh il dit, la plupart de qu'est-ce qui sort de la bouche d'un être humain, d'un individu, en particulier lorsqu'il est un peu insouciant ou bien qu'il a une foi faible, c'est des paroles mauvaises, ou bien c'est des paroles superflues, hein, des paroles inutiles, il y a des choses qui ne sont pas bénéfiques. Et donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Al-Mughira ibn Shu'bah, il dit que Allah a détesté pour vous trois choses. Qil wa qal. Tu commences à discuter et à parler avec les gens de qu'est-ce qu'un tel a dit ou de qu'est-ce que l'autre a dit. Ça, wa alaykum salam sallam, ça c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a détesté. Hein, de commencer à discuter, de dire ah, un tel il a dit ça, l'autre il a dit ça, l'autre il a dit ça. Ça c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a détesté. Wa ida'at al-mal, de gaspiller l'argent. Wa kathrat al-su'al, c'est-à-dire de poser trop de questions. Ok? Ça c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas aimé pour que le musulman se préoccupe de qu'est-ce qu'un tel a dit ou de qu'est-ce qu'un autre a dit, commencer à faire des discussions comme ça. Et souvent, quand les gens s'assoient ensemble dans des endroits comme soit un endroit comme les cafés ou des réunions comme ça, les gens ils commencent à discuter, ils parlent de qu'est-ce qu'un tel a dit, qu'est-ce qu'un tel a dit, l'autre qu'est-ce qu'il a dit, l'autre qu'est-ce qu'il a dit. Et ça c'est quelque chose, Yannick, qui n'est pas bénéfique, Yannick. Et puis qui amène la colère d'Allah. Donc ce genre de paroles là c'est des paroles mauvaises, comme par exemple de parler dans le dos des gens, de dire à leur sujet des choses mauvaises en leur absence, de raconter des rumeurs au sujet des gens et de les répandre, de dire des insultes, de dire des grossièretés, des mauvais mots, des paroles d'insultes, hein, de dire des fausses paroles, des faux témoignages, hein, de chanter, de faire des chansons, de dire des bêtises, hein, peu importe de quelle façon on le dit, que ce soit des poèmes ou du rap comme les jeunes ils font maintenant, le rap et tout là, qui disent des bêtises là, dans ces choses-là. Donc tout ça c'est des choses qui sont des mauvaises paroles. Et pire que ça encore, le shirk, de dire des paroles de shirk, hein, d'associer avec Allah dans nos paroles, ou bien d'invoquer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'appeler au secours d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'autres paroles interdites de ce genre. Comme les chrétiens par exemple qui disent que Allah est trois en un, ou que Jésus est le fils de Dieu, ou des trucs de ce genre, ça c'est des exemples de kufr avec, et de shirk avec la parole. Hein? Ou bien encore pire que ça, des gens qui font des bid'ah avec leur bouche, qui font le takfir, qui appellent à la bid'ah, des choses comme ça. Donc ça aussi c'est des choses interdites, des choses mauvaises que les gens disent avec leur langue. Donc tout ça, Allah va le calculer et le demander des comptes à chaque être humain pour qu'est-ce qu'il a dit. Et ça c'est écrit, hein, on en prend note dans son livre. Et au jour de la résurrection, on sera tous jugés pour qu'est-ce qu'on a dit. Donc le musulman, il doit retenir sa langue de toute chose qui n'est pas bénéfique et de choses qui sont pas nécessaires, pour être en paix avec toi-même et pour faire que les autres aussi soient en paix avec toi. Hein? Et le cheikh dit ensuite, wa qawluhu aw li yasmut li anna fi as-samt raha wa najatan. Fa idha takallamta bil kalam as-sayyi aw tatamakkan min tadarukihi ورده لم تتمكن من تداركه ورده، ولكن قبل أن تتكلم فأنت مسيطر على لسانك، فيكون السكوت أفضل من الكلام غير المحمود. وهذه فائدة اجعلها معك دائما،
إذا أردت أن تتكلم انظر في الكلام فإن كان فيه خير تكلم به وإن كان فيه شر أمسك لسان أمسك لسانك عنه لتسلم. Donc le cheikh ici il dit aussi quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ou tais-toi, dis le bien ou tais-toi, il faut savoir que dans le fait de se taire il y a un repos dedans et il y a un salut là-dedans. Comme qu'est-ce qu'ils disent en français, le dicton c'est quoi? La parole est d'argent, le silence est d'or. Hein, oui c'est ça. Donc c'est ça, le silence est d'or. La parole est d'argent, le silence est d'or. Ça c'est un proverbe que les gens disent. Hein. Donc si tu parles des mauvaises paroles, une fois que tu l'as dit, tu ne peux plus la ramener, comme je disais tout à l'heure. Une fois qu'elle est sortie la parole, tu ne peux plus la rattraper. C'est, ça y est, c'est sorti. Donc il est trop tard. Mais avant de l'avoir dit, tu avais le contrôle de ta langue. Et donc c'est mieux de se taire avant que de dire des paroles mauvaises. Et ça c'est une règle générale, et tu dois toujours la garder, le cheikh il dit, tu dois toujours garder cette règle-là, c'est que si tu veux dire quelque chose, regarde dans ta parole. Avant de le dire, et allez, comme on dit des fois en français, tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler, c'est-à-dire réfléchis et médite sur la portée de tes mots, et la, qu'est-ce que tu dis, est-ce que, et les conséquences de tes paroles, parce que s'il y a du bien, tu le dis, et s'il y a du mal, eh bien tu retiens ta langue et tu ne le dis pas. Et il y a une chose aussi qui est importante à savoir par rapport à ça, c'est que il y a des gens qui vont dans des extrêmes par rapport à ce sujet-là, qui vont dire par exemple, bon, il faut toujours se taire, le mieux c'est le silence, et puis il faut pas parler, c'est mieux de pas parler, donc il y en a qui parlent jamais, hein. Et ça c'est pas correct, parce qu'il y a des moments où il faut parler, et donc des fois, il faut être capable de juger, d'analyser. Si tu vois que dans certaines situations, c'est mieux de se taire que de parler, tu te tais. Si tu vois que dans d'autres circonstances, c'est mieux de parler que de se taire, il faut parler. Comme par exemple, quand c'est le temps de défendre la vérité, quand c'est le temps de réfuter la fausseté ou le mensonge, de répondre à quelqu'un qui dit des choses fausses ou qui ment ou qui contredit la vérité, qui contredit le Coran et la Sunna, ou des choses de ce genre, mais dans des situations comme ça, et que toi tu as la connaissance et tu as la capacité de lui répondre, alors dans ce cas-là, il faut parler, il faut répondre. Il ne faut pas juste dire, ah, le silence c'est mieux, je ne veux pas, le problème. Non, il faut voir le contexte et puis agir selon le contexte. Ce n'est pas toujours meilleur de se taire. Il y en a qui pensent des fois que ils entendent ces hadiths, des hadiths de ce genre, et puis ils disent, ça y est, je ne parle plus, je ne veux plus parler, je ne veux plus dire rien. Et ça, c'est un autre extrême, c'est pas correct non plus. Ensuite, le cheikh dit, ثم قال صلى الله عليه وسلم, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, فلا يؤذي جاره. Ça, c'est dans une autre version de ce hadith. C'est celle qu'on a lu au début. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, فليكرم جاره. Qu'il honore son voisin. Dans cette narration ici, ça dit, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, فلا يؤذي جاره, qu'il ne fasse pas de tort à son voisin. C'est une autre narration dans le même sens. Le cheikh dit, والجار هو من يجاورك في المسكن والمزرعة والمصنع والمتجر وله حق في الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى, واعبد الله ولا تشرك به شيئا, واعبد الله ولا تشرك به شيئا, وبالوالدين إحسانا, وبذي القربى واليتامى والمساكين, والجار ذي القربى, والجار الجنب والصاحب بالجنب, فالجار له حق من الحقوق العشرة المذكورة في هذه الآية. لشيخ لك dans la suite du hadith, donc, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne fasse pas de tort à son voisin, ou qu'il honore son voisin. Le voisin en arabe, c'est al-jar. Al-jar. Hein, et, c'est celui qui est à côté de toi. Soit, là où tu demeures, il habite à côté de toi, ou, il a un champ à côté du tien, ou il a un magasin ou une entreprise à côté de la tienne, ou une manufacture ou un endroit où on produit des trucs, en tout cas il est à côté de toi, c'est ça l'important. Il a un magasin à côté du tien ou quelque chose comme ça, donc c'est ton voisin. Hein. Et il a un droit sur toi, dans le Coran, dans la Sunna et dans l'Ijma.
Donc ça c'est un droit qui est reconnu par le Coran, par la Sunna et par l'Ijma, et il mentionne les versets dans le Coran qui mentionnent ça, comme le verset 36 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne les droits. Et il mentionne le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala en premier, d'adorer Allah et de rien associer avec lui, et adorer Allah et n'associer rien avec lui, et soyez bons envers les parents et envers les proches, et les orphelins et les pauvres, et le voisin qui a un lien de parenté avec toi, ou le voisin qui est étranger à toi, c'est-à-dire il n'est pas de ta famille, ou bien le compagnon, celui qui est à côté de toi, etc. Donc ça c'est les droits. Et le voisin fait partie de ceux qui ont des droits parmi les 10 qui sont mentionnés dans ce verset-là. ثم إن جارك ائتمنك وجاورك فلا يصدر منك في حقه أذى ولا بالقول لا بالقول ولا بالفعل والقول أشد وأنكى فإنك لو أعطيت جارك أو غيره مالا كثيرا لكنك تكلمت في حقه بكلمة سيئة فإن هذه الكلمة السيئة تجرحه ولو أعطيته ما أعطيته من المال أما الكلمة الطيبة فإنها تؤثر فيه خيرا ومحبة لك ولو ما أعطيته مالا فالكلام الطيب له تأثير وله فائدة أكثر من تأثير المال وقوله فليكرم جاره يشمل الإكرام بالقول وهذا هو الأسهل والأنفع وأن تقول له الكلام الطيب وتسلم عليه وترد عليه على سلامه وترد عليه سلامه إذا سلم عليك وهكذا يشمل الإكرام بالفعل بأن تهدي إليه وتتصدق عليه إذا كان محتاجا وتقضي حوائجه إذا كان عاجزا وتغض بصرك عن عوراته وعن الاطلاع على أسراره وأيضا تمسك سمعك عن التجسس عليه ولا تلقي الأذى عند بابه أو في طريقه وتكف أولادك عن أذية أولاده وهكذا لشيخ الزي في تنفوزين يعني في تنفوزين سليك يبيت côté de toi, donc si quelqu'un habite à côté de toi ou c'est ton voisin, alors tu dois respecter le droit qu'il a sur toi en faisant attention aux paroles et aux actions que tu fais, pour que tu ne lui fasses aucun tort dans ses droits. Et le cheikh, il explique que la parole mauvaise envers le voisin est plus dure et plus néfaste que si c'était une mauvaise action. Le chef explique que, par exemple, tu pourrais donner à ton voisin de l'argent, ok, et commencer à parler mal contre lui, de dire du mal sur lui, ça lui ferait beaucoup de plus de tort. Même si tu lui as donné de l'argent, cette parole mauvaise que tu dis à son sujet, ça lui fait beaucoup plus de tort, ça lui fait beaucoup plus de mal. Même si tu lui as donné de l'argent, ça change pas, tu peux pas compenser le mal que tu lui as fait en parlant, en disant des choses mauvaises sur lui, ou en lui disant du mal, en lui disant des mauvaises choses. Tandis que la bonne parole, elle a un bon effet sur le voisin, et elle fait en sorte qu'il va t'aimer et que il va être bien avec toi. Oui, c'est ça, ça va être quelque chose qui va amener que vous allez avoir des bons rapports. Même si tu lui donnes pas d'argent, il va être content. Juste le simple fait que tu lui parles gentiment, que tu lui dises des bonnes choses, ça va avoir un bon impact, un bon effet. Même un effet plus grand que l'argent. Donc le cheikh il dit, quand le prophète Mohammed dit, alors honore ton voisin, ça c'est pour dire que ça comprend la générosité et le fait de l'honorer par la parole. Et ça c'est plus facile et c'est plus bénéfique que tu lui dises des bonnes paroles et que tu lui donnes le salam et que quand il te donne le salam tu lui répondes et que tu lui retournes son salam, ainsi de suite. Donc ça comprend le fait de l'honorer, de lui faire preuve de générosité,
dans tes actions, comme par exemple de lui donner des choses, hein, quand il a besoin de quelque chose tu lui donnes, tu remplis les besoins qu'il a, s'il est incapable de faire quelque chose tu l'aides, si par exemple c'est ton voisin donc tu passes devant chez lui ou à côté de chez lui, tu regardes pas dans sa maison pour éviter de voir des choses que tu dois pas voir, hein, ou tu essaies pas de découvrir ses secrets ou des trucs comme ça, et tu retiens tes oreilles pour ne pas l'espionner également en écoutant ce qu'il dit, donc et tu vas pas non plus jeter des choses devant sa porte pour lui faire du mal, et tu vas empêcher tes enfants de faire du tort à ses enfants et de déranger ses enfants ou bien de déranger ton voisin aussi. Donc tout ça, ça fait partie des droits que le voisin il a sur toi. Et ça, c'est des choses importantes, hein. Puis il y a des gens même qui étaient venus me voir à la mosquée pour me poser des questions justement par rapport aux voisins. Et ils me disaient, ah, j'ai des voisins, ils ont pas de respect envers moi, ce sont des musulmans, mais ils font ci, ils font ça, ils nous respectent pas, ils nous espionnent, et ils font ci, ils font ça. Et Anis, il me demandait des conseils par rapport à ça, puis je leur disais, allez, s'ils vous font tout ça, des problèmes et tout, remettez-leur le mal qu'ils vous font par du bien. Et puis peut-être qu'avec le temps, ils vont changer, ils vont commencer à changer leur comportement envers vous. Parce que franchement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait un voisin qui était juif, et qu'il jetait ses déchets devant la porte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, au lieu de dire, bon, je vais lui remettre ses déchets devant sa porte, il les mettait ailleurs. Il allait les jeter là où il fallait les mettre. Donc il remettait pas le mal pour le mal à son voisin juif. Donc si c'était le cas pour un juif, alors que dire pour un musulman qui a un mauvais comportement. Donc il faut savoir comment lui répondre le mauvais comportement qu'il a par un bien. Peut-être qu'en agissant comme ça, il va réaliser le mal qu'il fait, puis il va revenir à la droiture. Et il va commencer à se corriger, inshallah. Après, le cheikh, il dit, comme dans la dernière partie du hadith, il explique, il dit, وَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ. Subhanallah. Ça, c'est des choses, nous, là, moi, je ne sais pas pour vous, parce qu'il y en a d'entre vous qui venez des pays musulmans, donc vous avez expérimenté d'autres relations avec vos voisins. Ici, malheureusement, parfois, qu'est-ce qui se passe, c'est que Allah musta'an, le voisin, la personne qui habite juste en face de toi, tu sais même pas qui il est. Tu lui as jamais parlé, tu lui as jamais même dit bonjour, et lui, il t'a jamais demandé rien, il t'a jamais parlé, il t'a jamais dit bonjour. C'est un inconnu absolu. C'est comme si vous habitiez sur deux planètes différentes. Donc ici, c'est ça les relations entre les gens, malheureusement. Il n'y a pas de relation de voisinage vraiment développée. Dans le passé, c'était différent, mais actuellement, les gens sont devenus très individualistes et les gens n'ont pas confiance parce qu'ils se disent, ah, on ne sait jamais, peut-être que mon voisin c'est un meurtrier en série, hein. Le jour il est normal, puis la nuit il se transforme en tueur, on ne sait pas. Personne n'a confiance à personne, c'est ça que ça veut dire, hein. La da'wah, tu veux dire, de faire la da'wah à un voisin s'il est kafir. Et si tu as les moyens de lui faire, dans le sens que tu as la capacité, tu as la connaissance, tu es capable de lui faire da'wah, dans ce cas-là, tu lui fais le da'wah, oui. Mais si tu n'as pas la connaissance nécessaire, et si tu crois que tu n'es pas capable de le faire parce qu'il te manque des aptitudes, alors dans ce cas-là, tu peux toujours lui donner un livre, lui donner une cassette, lui donner quelque chose, hein. Tu l'invites chez toi, tu lui donnes à manger, tu lui fais voir par exemple quelque chose sur l'islam pour lui faire comprendre, hein. Tu lui expliques, hein. Si par exemple tu le vois, bon, tu lui dis par exemple, moi je suis un musulman, hein, puis dans ma religion c'est comme ça, comme ça, comme ça.
dans notre religion, les femmes elles se voilent, donc si vous voyez ma femme qui se voile, il faut pas avoir peur, c'est pas dangereux, on n'est pas des terroristes, on n'est pas des extrémistes, on est des musulmans ordinaires, on pratique le Coran, on pratique la Sunna, qu'est-ce que ça signifie? Puis tu leur expliques les fondements de l'islam, le tawhid, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, arkan al-islam, le prière, le jeûne, le hajj et tout. Vous lui faites une présentation, vous lui demandez quelle religion il suit, c'est quoi les croyances de sa religion, c'est quoi ses principes. Et puis, vous essayez de développer comme ça, comme un dialogue et un échange pour leur faire comprendre yani les erreurs qu'ils ont dans leur religion, les contradictions qu'ils ont dans leur religion. Puis petit à petit, leur présenter l'islam, peut-être que ça peut être une cause dans leur guidance par la suite, inshallah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Jibril, il descendait et il me donnait des il me donnait la consigne, ou bien il m'enjoignait de bien traiter mon voisin à un tel point que je pensais qu'il allait me dire qu'il doit hériter de moi, hein, qu'il doit être dans le sens que Jibril donnait tellement d'importance au voisin et il incitait tellement à faire du bien au voisin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam croyait qu'il allait faire de lui un de ses héritiers, un des héritiers, hein, à un tel point que oui, Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, quand il venait, il lui disait toujours de respecter les droits du voisin, etc., etc., au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un tel point que il disait qu'il allait faire du voisin un héritier, c'est-à-dire qu'on devrait le prendre comme un héritier. Ça, c'est pour montrer quel le droit, le grand droit qu'il avait sur nous. كذلك لعظم حق الجار فالجوار له أحكام وأهمية بين الناس وإذا كان إكرام الجار من كمال الإيمان فإن في أذية الجار نقصا للإيمان. Donc le cheikh il dit, de même que le voisin il a un grand droit sur nous, hein, et que le voisinage il a des règles, il a une grande importance parmi les gens, donc de la même manière, comme par exemple quand on dit que on va honorer notre voisin et on va être généreux envers lui, ça c'est un perfectionnement de notre foi, et de faire du mal à notre voisin et de faire du tort à notre voisin, ça c'est une défaillance et une faiblesse dans la foi. Donc ça veut dire que la façon dont tu agis avec ton voisin, ça a un lien direct avec ta foi et c'est un signe de ta foi, hein. Donc c'est, si tu veux savoir comment elle est ta foi, tu regardes comment tu agis avec tes voisins. Et ensuite le cheikh il termine en disant وثم قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه والضيف هو الذي ينزل بك وإكرام الضيف يجب في القرى والبوادي التي ليس فيها مطاعم وليس فيها محلات تبيع الأكل والشرب وليس فيها فنادق تأوي الغريب والمسافر وعابر السبيل فالقرية ليس فيها شيء وكذلك البادية ليس فيها شيء من هذا القبيل فالإنسان ولو كان غنيا إذا كان مارا في بلد أو ليس فيه ما يباع أو يؤجر في حق من حقه على من نزل عنده أن يكرمه أما في المدن فليس هناك حاجة لوجود المطاعم والفنادق فإذا كان غنيا فهو ليس محتاجا أما إذا كان فقيرا فأنت تتصدق عليه لفقره وحاجته وليس لأنه ضيف. Le cheikh explique que la troisième partie du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin, son invité, qu'il honore son invité. Le cheikh, il explique que l'invité, c'est celui qui vient chez toi, qui vient quelque temps habiter chez toi. Tu dois lui montrer l'hospitalité et l'honorer. Et ça, c'est obligatoire pour les gens qui habitent dans les villages, dans les petits villages ou dans les endroits comme la campagne ou des endroits comme ça.
Le chef il dit pour ces endroits-là, c'est obligatoire parce que il n'y a pas de restaurant là-bas, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de magasin qui vend de la nourriture et des boissons. Donc, étant donné qu'il n'y a rien de ça, le voyageur ou celui qui est sur le chemin qui passe, dans ces endroits-là, il peut pas, comme dans, c'est pas comme dans les grandes villes, il peut pas aller comme au restaurant manger ou aller quelque part comme ça dormir dans un hôtel, il y en a pas. Donc, c'est obligatoire pour les habitants de ces endroits-là d'accueillir les voyageurs et de les héberger. D'accord? Ça, c'est un droit que les voyageurs ont sur eux. De même que dans les campagnes, dans les endroits, dans le désert, dans les endroits éloignés, c'est la même chose. Il dit, ça c'est même si la personne elle est riche. Même si elle est riche, elle a de l'argent pour acheter, louer une chambre ou acheter de la nourriture, il n'y en a pas de chambre, il n'y en a pas de nourriture. Alors dans ce cas-là, il est obligé, il faut qu'il aille quelque part, il faut qu'il mange quelque part, il faut qu'il dorme. Alors dans ce cas-là, c'est une obligation pour les gens de l'accueillir et de lui montrer de l'hospitalité. Et non, donc c'est ça. Mais si la personne, donc, dans la ville où il y a des, si supposons que c'est dans la ville, là où il y a des restaurants, il y a des hôtels et tout, dans ce cas-là, si la personne elle est riche, on n'a pas besoin de l'aider, parce que il peut se débrouiller, il a de l'argent, il peut aller à un hôtel, il peut aller au restaurant, donc c'est pas obligatoire dans ce cas-là de l'aider. Mais si c'est quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas d'argent, dans ce cas-là, tu lui donnes de l'argent, pas parce qu'il est voyageur, pas parce qu'il est ton invité, mais parce qu'il est pauvre. Ok? Parce que dans la ville, il n'y a pas de nécessité, sauf pour quelqu'un qui est pauvre, il ne peut pas se payer à manger, ou une chambre d'hôtel, dans ce cas-là, c'est autre chose. Et le cheikh, il dit ensuite, وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ فِي الضَّيْفِ جَائِزَتُهُ يَوْمَ جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة وتمام الضيافة ثلاثة أيام بلياليها فقال أهل العلم والواجب يوم وليلة وتمام ثلاثة أيام بلياليها مستحب وقد كان إكرام الجار وإكرام الضيف من الخصال المعروفة عند العرب قبل الإسلام وكانوا يتفخرون بذلك وأشعارهم في هذا كثيرة فجاء الإسلام وأقر ذلك وحث عليه لما فيه من الخير. Le Cheikh il dit, et on a mentionné, c'est mentionné également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet du voisin, de l'autre, pas de l'autre, de c'est ça, la personne qui vient comme tu l'accueilles chez toi, le voyageur ou bien l'invité, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet que, et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Nabi Shuraih Al-Adawi, radiallahu anhu, il dit que c'est un jour et une nuit que tu dois l'accueillir, et la diya ça c'est trois jours. Après ça, c'est sadaqa. Après trois jours, ça devient sadaqa. C'est permis de le faire un jour et une nuit, puis jusqu'à trois jours. Puis en plus de trois jours, c'est ça devient sadaqa. Et c'est ça. En dedans de trois jours, tu dois l'accueillir, c'est une obligation. Et c'est trois jours et trois nuits. Okay. Et les savants ont dit, pour un jour et demi, c'est obligatoire. Mais pour compléter les trois jours et les trois nuits, c'est pas obligatoire, c'est recommandé. Okay. La première jour, la première nuit, ça c'est obligatoire. Les autres, c'est recommandé. Puis après ça, c'est sadaqa, ça devient sadaqa. Ikram al-dayf min al-khisal al-ma'rufa. Le fait d'avoir de l'hospitalité et d'honorer les voisins, le voisin ou d'honorer les invités, ça fait partie des caractéristiques qui étaient bien connues chez les Arabes avant l'Islam, même avant l'Islam. Hein? Et l'Islam est venu approuver ça. Les Arabes, ils avaient une grande fierté, ils mentionnaient même ça dans leurs poèmes, quand ils faisaient des poèmes, ils disaient, nous on est
on a l'hospitalité, on accueille les voyageurs, on fait ça. Donc il se vantait de ces qualités-là. Et l'islam est venu et il a prouvé ça, et il a incité de faire ça. Et pourquoi? Parce qu'il y a du bien là-dedans. Donc ça c'est la fin du hadith, de l'explication de ce hadith. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Et puis on continuera la semaine prochaine, inshallah, le hadith numéro 16, qui parle d'un point encore très important, c'est-à-dire ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. Le frère il a écrit des quelques questions ici. Le frère il pose une question, il dit comment on doit être avec un voisin musulman qui ne prie pas, qui boit de l'alcool et qui dérange son voisinage avec de la musique et des amis. Donc, avec un voisin comme ça, il faut, comme on dit, tandis que c'est un musulman, il faut lui rappeler le bien, il faut lui faire la da'wah, il faut lui ordonner le bien, lui interdire le mal. Ça, c'est obligatoire, avec la patience, la sagesse, la douceur, lui rappeler le bien. Puis peut-être que, inshallah, petit à petit, en voyant ton comportement, il va commencer à réaliser que sa façon de vivre, elle n'est pas correcte. Regardez, mais il faut lui parler, il ne faut pas se gêner. Regardez, tu lui dis, et Harry, tu es un musulman, on est musulman, dans l'islam, ces choses-là, c'est haram, il ne faut pas faire ça. Et puis, petit à petit, hein, inshallah, peut-être qu'il va réaliser ou il va comprendre ça. Le frère il pose la question, est-ce que c'est un péché de penser du mal de quelqu'un et de parler en mal même quand tu es seul, par exemple dans ta voiture ou dans ton cerveau, dans ta tête et dans ton cœur tu penses à du mal de quelqu'un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette umma sera pardonnée pour les choses qu'elle s'est dites en elle-même, les péchés ou les choses qu'elle pense de mal en elle-même, tant qu'on ne le dit pas et tant qu'on n'agit pas par rapport à ces pensées-là. Donc si tu penses du mal déjà et que tu ne le dis pas, si que tu ne le dis pas ou que tu ne l'agis pas là-dessus, dans ce cas-là, tu ne seras pas puni pour ça. Mais il ne faut juste pas le dire et il ne faut pas agir. Oui, je comprends. Ouais, dans ce cas-là, tu ne le dis pas à haute voix, hein, tu le gardes dans ta tête. Et puis le mieux, c'est d'éviter même de penser à ces choses mauvaises-là. Hein. Et non, tu demandes à Allah la protection contre les shaitans à ce moment-là. Tu dis sur la prononciation du « si », qu'est-ce que tu veux dire? « Si » hein. Ouais. Bon, le si là, il faut juste comprendre une chose de base, c'est quoi? C'est que tu peux pas dire si par rapport à qu'est-ce qui s'est déjà produit. Qu'est-ce qui est dans le passé, ça y est. Tu peux pas utiliser le si pour ça. Mais tu as le droit d'utiliser le si pour l'avenir, pour quelque chose de bien. Hein? Par exemple, si je reçois, par exemple, mon salaire, je vais, par exemple, donner une partie de mon argent en sadaqa, ou bien je vais acheter une voiture, ça il n'y a pas de problème. Mais si tu commences à dire, ah mais si j'avais pas fait ça, ce ne serait pas arrivé, dans le passé ce n'est pas bien parce que ça rentre dans le qadar, et tu ne peux pas changer le passé, donc tu n'as pas le droit de remettre ça ou de dire si, d'accord? Ça c'est en général, c'est la règle à ce sujet-là. Sinon, on a parlé de ça dans l'explication de Kitab al-Tawhid, on a donné les détails de toutes les différentes catégories d'utilisation du « si » et quand est-ce que c'est permis, quand est-ce que c'est pas permis.
Donc on va s'arrêter ici, inshallah, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran. Assalamu alaikum.